Eh bien, salut les vilains! On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de Hotel Special Ratchet & Clank 2 2016, le remake, c'est parti! On va donc, mourir. Non, c'est bon. Toujours pas, ok. On va passer à la boutique et on va s'acheter notre méga arme de la vie. Ce n'est pas ici, c'est là. Voilà, donc on a sauvé Skidmarmax et son argent. Maintenant, on a donc débloqué les courses d'overboard. Et avant d'oublier, on va aller chercher le boulon en or qui était dans une sorte de remorqueuse. Alors, faire le plein de santé et de munitions. Non, ça, j'en veux pas. Améliorer arme. Alors, on va peut-être améliorer le tambour à protons qui est vraiment super, mais super fort. Voilà, augmente la zone d'effet, c'est tout ce que je souhaitais. Je continue à monter ça. Voilà. Du coup là on est bloqué, qu'est-ce que c'est? Tu veux... D'accord, ça dure plus longtemps, c'est ça. Scout ennemi peut récupérer encore plus d'holocartes. Ah ouais, des holocartes carrément. On va plutôt faire monter ça. Voilà, pour passer sur le côté. Voilà, encore plus de zones d'effet. C'est génial, regardez tout ce raritarium qu'on a. On va avoir le tambour à protons le plus puissant de l'univers quoi. Voilà. Là, bon, du coup, on est obligé de prendre un petit peu pour les cartes. Tac et tac. Et du coup, ça va nous révéler les deux compétences. Résonateur constructif. Cette modification du revêtement synchronise la longueur d'onde de tous les noyaux environnants, permettant le déploiement simultané des noyaux supplémentaires. Ah, mais c'est génial. D'accord. Bah, apparemment, j'en ai débloqué deux d'un coup. C'est-à-dire que je peux déployer trois noyaux? Est-ce que ça voudrait dire ça? Parce que ça serait vraiment complètement surcheaté. Laisse Monsieur Zurkon faire tout le travail pour toi. Quoi? Qui c'est qui me parle? Allez, on va aller chercher le boulon. Allez. Ah merde, c'était... Oh putain, c'était un téléporteur. J'étais persuadé que c'était un... C'était une sorte de plateforme movible. J'avais oublié. Alors attends, on va peut-être essayer comme ça. Ah non! I do not want to die. Bon, ça n'a pas marché. Du coup, comment je peux accéder à cet endroit là-bas? On trouvera peut-être quelque chose d'utile. Tac. On voit qu'il y a un téléporteur ici. Je teste ou quoi? Vas-y, on va tester. Alors attends, du coup, il faut faire un truc comme ça. Allez! Ah, et non, en plus, j'ai l'impression qu'ils me font retomber vraiment exprès quoi. Ah, c'est une zone cachée. Je veux y aller, s'il vous plaît. Ouais, tant pis. Tant pis, on reviendra peut-être à l'occasion. Moi, je veux faire la course overboard. Hein. Alors, ça, c'est pour la mission suicide. Hein. Alors, nécessite, trouve un crocheteur dans les égouts de Rilga. Ah bah, tu vois, on est obligé de faire plein d'autres missions avant, en fait. Va à l'épreuve d'overboard. Et il faut quoi? Nécessite, trouve un hydro-déplaceur sur Aridia. Aridia, c'est donc ça. Trouve un gadget au paradis du sport de Skidmarmax. Ah ouais, mais c'est un truc caché. Et ouais. Je suis pas très fort avec ce qui est caché dans les jeux, on va laisser tomber. On va se contenter de faire la course d'overboard parce que même si c'est optionnel, ça a l'air juste méga fun quoi. Je vais encore faire une comparaison avec Mario, je m'arrête plus. Mais ça je pense que ça va me rappeler la course qu'il y avait dans le premier Mario Galaxy où on monte sur une sorte de raie volante. C'est génial. Alors par contre, la question que je me pose, c'est que je viens d'acheter le sort de petit robot personnel là. Oh, c'est trop bien. Alors pixeliseur, ça c'est génial hein. Ça transforme donc tous les ennemis en pixels, ils deviennent pixelisés d'un coup. Un peu comme la manière Minecraft. Et là on a le Groovitron, qu'est-ce que c'est? C'est un provoque une chorégraphie instantanée qui expose les ennemis aux attaques. Ah ça, je crois que ça envoie une boule disco en fait. Et tous les ennemis se mettent à danser. Non, ah, ça c'est les meilleurs. Alors attends, comment je fais pour choisir mon équipement en fait? Parce que apparemment on serait limité à 4 armes. Imaginons, je veux Monsieur Zurkon. Voilà. Ah bah non, on peut en avoir beaucoup plus en fait. Attends, on va le laisser là où il était Monsieur Zurkon. Du coup si je fais comme ça, voilà, là je peux trouver toutes mes armes en fait. Et là je demande à Monsieur Zurkon bah, de m'accompagner. En fait il m'accompagne H24. Ça a l'air bien surcheaté ça. Hop, voilà. On évite de tomber s'il vous plaît.
Je veux bien que notre Lombax sache nager, mais je pense qu'ici c'est un peu mortel, non? Est-ce qu'on peut accéder à cet endroit? Ah ouais, il y a carrément des... Oh non. Oh non, il y a des putains de piranhas, mais non. Mais même dans ce jeu, je flippe. Non! Je sais que je vais tomber en plus. Ah bah voilà. Voilà! Non! Laissez-moi! Ça devait pas être par ici en fait. On va retourner là-bas, ouais. C'était à gauche. Non mais la direction artistique est vraiment au top. Le jeu est juste super beau. Ça c'est un jeu, tu vois, dans 50 ans, il sera toujours aussi beau. Parce que les textures sont super nettes. Je vois pas comment tu pourrais faire par exemple un remaster plus HD que ça. C'est pas possible, tu pourrais pas rendre ce jeu plus beau encore. Ça c'est le genre de jeu qui va vraiment super bien vieillir. Alors, on récupère les HP, les caisses. Hop. Oh, oula. Je tire. Pourquoi ça explose pas? Voilà. Ah merde, attends, par contre j'ai remplacé mon truc à proton là. Il est où mon truc à proton? Ah non, c'est bon, j'ai remplacé la grenade. Bah ça va alors. Vas-y, garde le combustor. Hello! Quel est ce bordel? Et pourquoi tout le monde veut ma mort en fait dans ce jeu? Je comprends pas. Les gluants ils veulent ma mort, même les habitants. Tu vois que les habitants sont armés, ils veulent me tuer quoi. Pourquoi? Regarde, eux là, voilà, c'est des ennemis. Je sais même pas, je ne connais pas la raison de leur hostilité envers moi. Non, c'est des pauvres habitants, il y a eu une ambiguïté, tu sais pas. Hello! Au revoir. Au revoir, j'ai dit. Monsieur? Aimez-vous bien mourir? Merci bien. Oh là là, mais c'est quoi cet endroit? Il y a 3 milliards de fric de partout! C'est démentiel. À boule les boulons. Hop, le corps à corps. On va sortir le lance-flamme. Là. Tac, comme ça je récupère des mules et des boulons. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc caché par ici? Tu as obtenu une carte en doublon. Ah putain, j'ai jamais le temps de lire, ça m'énerve. Certainement qu'on peut la revendre. Je crois que le corps à corps marche pas très bien sur eux. Hein. On s'en serait douté. Allez, on va continuer. J'ai des balles, voilà, de combustion pour faire péter ça. Hunter toute sécurité. Et là. Hop! Alors, quel est cet endroit? À tous les habitants de Blackwater City, au lieu des... Ok, il faut faire un peu des trucs comme ça. Puis non! Mais pourquoi? Je crois que ma touche rond, elle est cassée. Ah merde, et c'est vrai que mon personnage, il sait nager, donc du coup, je me fais manger comme ça. Génial! C'est top. Allez, hop. Et du coup, là, en fait... Ah, mais on peut... Ah, c'est bon, on peut s'accrocher direct, en réalité. On a vraiment une grosse portée de grappin. Et là, c'est baston général. C'est la guerre dans toute la galaxie. Plutôt utiliser le tambour à proton. Là. Tu vois, quand il y a 3 milliards d'ennemis, c'est bon. On se casse pas trop la tête, nous. C'est pas le genre de la maison. Hop, on brûle tout le monde. Oh les bâtards, oh les bâtards. Non, non. C'est moi le héros, tu comprends? C'est moi qui gagne. Qu'est-ce que c'est ça? Oh putain, ils ont carrément ramené un tank. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Hop, j'invoque mon petit robot. Allez, 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 qu'est-ce que c'est, monsieur Surcon? Il est purement indestructible, ouais. Et du coup, ça sert à quoi, triangle? Allez. En fait, si, on peut tirer au lance-flamme en se déplaçant où on veut, mais il faut viser, en fait. Voilà. C'est à peine maintenant que je trouve ça. Hop, en parlant de ça, je récupère des munes de lance-flamme. Alors. Zioup. Ouais, et là, du coup... Monsieur Zurcon s'ennuie, t'inquiète. Il va y avoir de la baston dans pas longtemps. Je peux pas aller là. Mais ça, c'était l'endroit où on était, par là où on est venu en fait.
pourquoi ils ont mis ces trucs là? Ça me sert à quoi? Ça me sert à rien, d'accord. Yippie! Ouais, ça a l'air d'être totalement secondaire. Comment je fais pour pas... Voilà. Ok, il y a tout simplement un bouton. Surprise, motherfucker! Bijou. Je prends ça. Oui, ils attendent en mode BG, ok. C'est notre labo secret ici. Oh, ils ont enfermé toute la famille Gluant. C'est pas très sympa ça. Il y a 50 PV. De ce qu'on m'a dit, on serait maximum à 100 HP dans le jeu. Enfin, dans les précédents Ratchet, c'était comme ça en tout cas. Là. Oui, c'est lance-flamme. Ah, il est nul. Je l'aime pas. J'essaie de le faire passer un petit peu de niveau, peut-être qu'il sera plus fort après, mais... Oh, j'ai failli, j'ai tiré complètement en dehors du fight. Oh là là, je suis riche. Riche. Je pourrais acheter le pixelisateur, s'il s'appelle comme ça. Crevez un peu, non? J'insiste. Monsieur, il faut mourir. Merci pour cette carte. Alors apparemment on pourrait aller par là. Hop hop hop. Il y a de la vie et des trucs. Le petit bouton. Ça a ouvert l'accès à quoi ça? Wow, attends, j'entends un monstre là, non? J'ai pas compris à quoi ça servait, mais si tu veux, après tout. Hop là. T'as vu comment c'est stylé quand il change d'arme? On va essayer de rusher un petit peu ce passage là. Donc ça s'ouvre ici évidemment. Hop. Ensuite. Ensuite. Ouais, tout à fait. Hop. De la life. Toi. Tu crèves, puis tu recrèves. Puis tu re-recrèves. Toi aussi. Allez, le combusteur niveau 3. On y est bientôt là. Je prends ça. Allez. Je pense que je tue encore un ennemi avec, non? Peut-être un deuxième. Non, un troisième alors. S'il vous plaît. Non mais là, il manque même pas un demi-pixel d'XP quoi. Ah bah j'ai plus de balles. Ça tombe bien. Je mets ça là. Il me saoule un petit peu les slims là. Laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Je prends la paix dans toute la galaxie. Hop. C'est pour ça que je suis équipé de 25 armes différentes, plus destructrices les unes que les autres. Ah là, tambour. Le tambour il est passé niveau 3 avant mon combustor quand même. Hein. Ah oui, et voilà, on peut placer donc plusieurs tambours, c'est vrai. Je vais appuyer sur ça là. Je sais pas à quoi ça sert. Il doit y avoir un item caché. Surtout pas mal d'ennemis. Hop. Oh, c'est pas ouvert, c'est par là alors, non? Oh, c'est bizarre. Si, pas grave. Ah, si, y en a un ici de bouton. Hop, du coup, ça ouvre là. Et bah, prenez quoi ça? Oh, c'est la guerre, c'est la guerre. Ok, il y a un tank. Bah, tu sais quoi, on va lui faire ça. Puis ça. Puis ça. Voilà, trois putains de tambours à protons. Ah non, finalement, on est bien limité à deux. Et là, voilà, combusteur niveau 3. Le tank n'avait aucune chance face à nous. Ah non, merde, il y en a un autre. Attends, on va invoquer notre robot parce que. Je sais pas pourquoi il se barre des fois. Là, toi, mange-toi ça. Toi aussi. J'espère qu'ils vont reprogrammer la course maintenant. Et c'est gagné. Hop. Ah d'accord, en fait, il y a des munitions aussi pour le petit robot. Très bien. Ah, ça c'était con par contre. La ville est désormais débarrassée des amis. Et tout cela grâce à deux citoyens, Ratchet et Clank.
Ah, il s'était fait envahir par des amibes, c'est donc pas les habitants de la planète. Bonjour mademoiselle. Salut, je m'appelle Starlen. Tu viens pour la course ? Exactement. De l'enthousiasme, ça me plaît. Allez, va à l'intérieur. La première course commence dans 5 minutes. Et parce que du coup, on a sauvé toute une population d'une invasion extraterrestre juste pour faire une course d'overboard, hein, quand même, je tiens à préciser. Allez, on va faire la coupe de bronze pour tester un petit peu. Allez, alors. D'accord. Alors pourquoi j'ai pas de turbo? Pourquoi j'ai pas de turbo? Tac. Ah voilà, je gagne du turbo quand je rentre dans les cercles bleus en fait. Yeah! Oh là là, c'est swag! C'est très 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 stylé. Dommage qu'on puisse pas attaquer les concurrents. Quand ils ont dit que c'était un sport violent, pour moi c'était direct. On allait se foutre des patates. Oh non! Ah voilà pourquoi c'est dangereux, je comprends. Vas-y, laisse-moi passer. Yeah! Du coup je gagne une jauge de turbo. Ah, je peux faire des figures en l'air! Oh 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 oh! Oh god damn it, je meurs encore une fois, très bien. Attends, je vais essayer de me concentrer un peu plus. Je te détends depuis tout à l'heure, tellement le jeu était vraiment pesé. Et là, c'est vrai que ça commence à nécessiter un petit peu de concentration. On va essayer de profiter pour récupérer plein de boulons parce que ça a l'air de rapporter cette histoire. Hein. Là, on fait quelques courses overboard, on s'achète toutes les armes qu'on veut, je pense. Yeah, des figures, des figures. Je sais pas à quoi ça sert, ça doit nous donner des turbos. Ça fait un petit peu comme comme SSX, tu sais. Ouais, allez. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Ne vous moquez pas de moi. Je galère sur Ratchet & Clank, laissez-moi tranquille. Allez hop, on se refait des caisses. Ah, je suis premier, bah très bien. Ouais, c'est que c'est vraiment c'est tranquille quoi pour la coupe bronze. Je suis mort je sais pas combien de fois. C'est dur de penser à faire les figures. Ah ouais, du coup si tu te fails, tu perds du temps. Bravo, tu es le premier Lombax de l'histoire à gagner une course. Reviens quand tu veux, il y a des super prix à gagner. Ça a ses avantages d'être sponsorisé par Gadgetron. Et du coup, qu'est-ce que j'ai gagné là? Ratchet, premier en 1 minute 56. Un requin des sables pour le vainqueur. Je gagne un requin des sables? On peut participer à la coupe d'argent. Enfin, on a peut-être mieux à faire, bien sûr. Ah non, non, on n'a rien de mieux à faire. Hein. Ah non, je vais faire toutes les coupes. Il y en a 3, donc ça va aller vite, mais... J'espère que c'est un autre circuit. Ah non. Ah non, c'est trop dommage, ça c'est trop bête. Ah, c'est juste plus difficile, quoi. Oh non, c'est con. Vraiment, c'est con parce que... Moi, je m'attendais à un méga délire. On allait partir sur des maps vraiment un peu plus fofolles. Mais non. Oh là là, oh là là, oh non. Oh, ils sont chauds, là. Tu les sens... C'est pas la coupe de bronze, quoi. La vie en coup d'or, faut vraiment être à fond dedans. Là... Surtout qu'il n'y a pas de touche pour décélérer en fait. T'es obligé de relâcher ton turbo. C'est assez contre-intuitif. Hop, j'esquive. Je pète les caisses. Là aussi, je fais bien attention à tout péter. Et en plus, je crois qu'en fait, j'ai dû gagner du Raritarium. Ça doit être ça la récompense. Ça passe. Je suis combien là? Je suis quatrième. Je me prends un truc qui explose. Ouais, on va pas y arriver. J'ai voulu faire le fou en testant la coupe d'argent, mais... C'est bon. Allez, 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 allez. Va plus vite. Ah, t'es trop lent. Pourtant, j'appuie sur la touche à fond, hein, c'est bizarre. Allez. Fonce mon petit Ratchet. Oh non. Là, putain, je fais de la merde. Oh,
J'ai perdu... Quoi? J'ai perdu toute ma vie parce que j'ai foiré une... J'ai foiré un tricky. Ah d'accord. Ah ouais, bah ça il fallait le savoir. Quand tu pètes les caisses aussi, tu gagnes du turbo en fait. Voilà. Mais non, mais j'ai rien raté du tout là. Bah ils disent que je rate mes figures alors que je les rate pas. Et j'ai fini deuxième quand même. Hein. Oh, comment il a l'air triste, on dirait qu'il a raté sa vie alors qu'il est sur le podium. Désolé. Reviens quand tu veux pour tenter à nouveau ta chance. Très bien, bah, ça sera pas pour tout de suite. On a fini deuxième à 2 secondes près. C'est chaud, mais c'est bête, ça aurait pu être tellement mieux avec plus de circuits. Bah à mon avis, il doit y avoir des courses sur d'autres planètes, c'est pour ça. Allez, on retourne au vaisseau maintenant. Et on va aller faire la mission... La mission top secrète. Ou alors non, puisqu'il nous faut un... J'aurais bien besoin de tes services. Viens donc me voir pour qu'on parle affaire. Qui? Je ne peux pas te dire où je suis, mais les échos qui courent sur la ville méritent bien d'être explorés, tu ne penses pas? Ce vendeur a peut-être de nouvelles armes? Et comment je fais pour accéder aux égouts? Vous voyez? Ah oui, bah oui, l'entrée des égouts elle est par là, mais... Je sais pas si... On avait déjà essayé une fois, attends, je vais retenter le coup. Il doit y avoir des trucs pas mal à faire là-bas. Ah bah voilà, en fait, ça... D'accord! Ça a dû débloquer le petit truc. Super, on va voir ce qu'ils vendent. Ça va pas me plaire ça. Si vous voulez traverser les égouts de la ville, ils allaient devoir trouver quelque chose pour les aider à passer. Comme par exemple un hydrodéplaceur portable trouvé sur Aridia. D'accord. Du coup, il va falloir retourner sur Aridia. Apparemment, il y a plein de trucs à récupérer sur Aridia. Il y a le crocheteur et cet hydrodéplaceur. On va éviter de mourir, s'il vous plaît. J'ai eu ma dose de monstres sous-marins pour la journée, je pense. Allez, on retourne au vaisseau et on va voir ce qu'on peut faire. On va être obligé hein, finalement d'aller sur Aridia, hein, je pense. Mais c'est des trucs cachés et j'ai du mal avec les trucs cachés moi dans les jeux. Si on fouille pendant une heure, je vais devenir fou. Trouver un gadget au paradis du sport de Skid Magmars, tu vois. Et ça, que je dois trouver sur Rilgar par contre. Alors Rilgar, bah c'est là. Trouve un hydroblaster sur Aridia. Donc voilà, en fait, l'hydrodéplaceur, il est dans les égouts. Et j'ai besoin d'aller dans les égouts. Non, attends, pardon. Hydrodéplaceur, il est sur Aridia. Et j'ai besoin de hydrodéplaceur pour aller chercher le crocheteur. Très bien. Bah, allez, on va aller là-bas. On va retourner sur cette planète. Et ça doit être dans la zone qu'on n'a pas réussi à accéder tout à l'heure, là où il y a même un boulon d'or qui nous fait de l'œil. Ça doit être là-bas, mais je sais toujours pas comment y aller. Apparemment, il y aurait un téléporteur. Mais il faut trouver la plateforme de base, quoi. Nous voilà de retour. Ratchet et Clank retournèrent sur Aridia. Leur mission ? Trouver le gadget qui leur serait indispensable pour la suite de leur aventure. On devrait explorer le paradis du sport de ski à nouveau. On trouvera peut-être quelque chose d'utile. D'accord, donc d'après Ratchet, ce qui est sûr finalement, sinon il ne faudrait pas d'indication, ça serait l'endroit où il y avait les robots là-bas. Et je veux juste vérifier quelque chose. Voir si ça serait pas par ici en fait. Qui est à la plateforme de téléportation. Et pas du tout. Pas du tout. Ils ont même fait exprès de placer des putains de gros murs pour pas qu'on puisse faire une sorte de saut héliporté. Ah mais il y a un truc pour descendre ici. Ah bah voilà. Pas du tout. J'ai eu un faux espoir. Tu voyais le truc partir tout droit vers la direction que je souhaitais. Après il a fait une sorte de virage à 180 degrés. Alors vous allez me laisser tranquille par contre. Hein. Non mais vraiment. Vous m'intéressez pas du tout. Je dois récupérer l'hydrodéplaceur. Voilà, je vais ici. Je mets un truc pour me protéger le temps que l'ascenseur y démarre. Du raritarium. Ouais, je suis à 6. Du coup, l'hydrodéplaceur. Maintenir rond. Pourquoi faire? Pourquoi ils m'ont fait maintenir rond là? Ils m'ont fait gâcher une arme. Non, mais là il y a un ascenseur ici. Apparemment il faut faire le tour pour revenir au début du niveau je crois. Ah voilà, attends. Mais vas-y fais ton truc. Ils m'ont fait gâcher plein d'armes.
Enfin, plein de balles plutôt. Monsieur Zurkon s'ennuie. Voilà. Zioup. On casse ça. Et ensuite on peut aller par là. Ouais, je pense. Déjà c'est la bonne direction apparemment. Voilà, vas-y, gage bien les bonnes armes. Con que je suis. On va sélectionner le combustor. Voilà. C'est par là. On pète ça. Alors attends, parce que là du coup il y a une sorte de tapis. Bon, le tapis roulant était pas très pas très dangereux, ça va. On casse ça au cas où. Ah, ça nous donne du fric. Hop. Il y a pas beaucoup de résistance par ici hein. On casse ça hein, même si ça doit servir à absolument que dalle. Vous pensez qu'on peut faire un truc à Mario là? Non. Du coup, j'ai fait tout ça pour rien? Non, c'est une blague. Ah là, il y a un passage ici. Mais à la fois, ça m'a l'air secret quoi. Non, ensuite là, ok. Puis enfin là. Et là. Génial. C'est ici, c'est ici. Ah voilà. Ça peut être que ça, en plus t'as de l'eau à côté. Déplaceur portable. Conçu par le docteur Nefarius, cette astucieuse invention permet de déplacer de l'eau d'un point A vers un point B. D'accord. Du coup, là, j'ai collecté de l'eau. On va tourner ce boulon-là. Une simple pression sur un petit bouton et nos amis pouvaient maintenant remplir une piscine tout entière. Vraiment, c'est super malin. Le fait que t'as Quark qui raconte l'histoire aux prisonniers et du coup ça nous fait plein d'indications sur ce qu'on doit faire dans le jeu, c'est... Je serais tenté de dire que c'est du génie, quoi. Allez, c'est par là. Je crois qu'il en faut 15 000 pour avoir le pixelisateur. Certainement l'arme la plus funny du jeu. Par contre, on devrait pouvoir s'acheter le truc disco. On va s'acheter des armes dans l'ordre. Vas-y, on va prendre le truc disco, le Groovitron, voilà. Et on va améliorer, comme toujours, alors soit le combustor, soit le tambour à proton. On va améliorer le tambour à proton. Qui est vraiment génial et du coup on a débloqué de nouvelles zones par ici. Alors on va augmenter la durée, voilà, puis encore la zone d'action. Après on est obligé de faire un petit peu des cartes, ouais, on va augmenter les cartes, hop, et du coup on va redébloquer quelque chose par ici. Et cette fois-ci qu'est-ce que ça va être? Douille anti-friction. Cette douille lisse et légère permet au noyau de parcourir une plus grande distance avant de se poser. D'accord, bon, en gros ça augmentait à portée quoi, je m'attendais un petit peu à mieux sans vous mentir. Bon voilà, on a le Groovitron maintenant, on a encore bien amélioré notre tambour à proton. Donc le Groovitron c'est carrément la boule disco en fait que tu lances. Là c'est notre déplaceur hydraulique. On va pouvoir retourner dans les égouts. Génial. Alors ça c'est gros cliché du jeu vidéo, hein. Les égouts et la meuf qui te parle dans le casque. Ça c'est presque dans tous les jeux. Alors c'est ici. Sauf que là, au lieu que ce soit une meuf qui nous parle, en fait, c'est le capitaine Quark qui raconte l'histoire à un prisonnier. Et vraiment, ça change. Ça fait du bien. Hein, parce que la voix de meuf qui te harcèle pour te dire les trois quarts du temps ce que tu sais déjà, c'est chiant. Arrêtez, s'il vous plaît. Vraiment, il y a ça de partout. Ça commence un petit peu à me casser les couilles. Hein. Voilà, on se pose. La petite face de beau gosse, comme ça, hey. Nos héros retournèrent sur Rilgar dans le seul et unique but d'explorer les égouts. Quel trésor caché allait-il y découvrir? Hop là. Voilà. J'espère qu'ils vendent des bons trucs, hein. Hormis, évidemment, le crocheteur...
Donc du coup, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a cette impression de liberté de pouvoir faire les objectifs dans l'ordre qu'on le souhaite. Mais finalement, il nous oblige à aller fouiller un petit peu chaque planète dans un ordre bien précis. Moi, je pensais qu'il y avait certains objectifs qu'on n'allait pas être obligé de faire, en fait. Là, d'abord, voilà, je vais bien tuer ce bâtard. Je déteste les monts sous-marins. Et on va connecter l'hydrodéplaceur ici. Et on peut passer comme ça en toute sécurité. Alors, ici, on voit qu'il y a encore un piranha. À sec, mon petit. Hop, là, il doit y avoir un trésor. C'est là ou là? Attends, parce que ici. Est-ce que ça se casse, ça? Pas le plus grand des hasards. Pas une grenade. Ah, bon, j'aurais essayé. Ok, c'est pas par là, déjà. Je pense pas pouvoir passer à travers les murs. Bien qu'il doit se péter, non? Il n'y a pas un truc caché? Non. Bah sauf qu'ici je suis coincé du coup. C'est un peu con ça. Bah c'est ballot. Ouais, attends. Peut-être qu'il fallait pas utiliser l'hydro machin truc. On va refoutre l'eau ici. Il doit y avoir moyen de plonger en fait. Du coup. Comme ça. Ouais, effectivement, on peut plonger. On remonte. Et voilà. Toi, je te tue. Toi, je te tue aussi. Toi aussi, voilà. On va casser ce qu'il y a là. Et casser ce qu'il y a là. Et casser ce qu'il y a là. Mission accomplie. Et là, ça doit être une sorte de tunnel. Ouais. Yeah. On se croirait à Aqualand. Évacuation activée. Je crois qu'il faut aller vite là, ouais. C'est bien ça. Je suis désolé de te mettre un vent, petit monstre, mais là... c'est la merde. Voilà. Laissez-moi passer. C'est pas ici. Oh là là là, oh là là. Ça se remplit trop vite. On plonge. Je ne m'arrête pas, je ne m'arrête pas. Voilà. Hop. Ici. On passe. On passe là. Ok, 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 ok. Ce n'était pas faute d'essayer, mais Ratchet ne pouvait pas respirer sur lui. Oh la mort de merde. Ok, on se retrouve, ils m'ont fait refaire tout le truc depuis le début, je sais pas pourquoi. C'est comme ça, ils insistent. Oh, putain, on a vu un magnifique endroit caché de la map, là, à travers le mur. Laisse-moi passer, je suis pressé, s'il vous plaît. On s'est noyé comme les plus grosses des merdes, c'était génial ça. Allez! Je commence à me poser la question s'il n'y a pas une touche de sprint sur le jeu en fait, parce que l'eau nous rattrape dans tous les cas en fait. Des bourchats. Hop, hop, laissez-moi tranquille. Non! Hélicoptère. Voilà, en fait on va plus vite en hélico quoi. Quand je fais des sortes de dash héliporté. Hop, hop, là on plonge. Vite, 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 on était... Mais regardez comment notre truc d'oxygène, elle se vide. Vitesse grand V, quoi. Allez, 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 vite, 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 vite. Ne pouvait pas. C'est bon. C'était moi, une. On passe là. Et là, il est temps d'acheter un crocheteur, s'il vous plaît. L'endroit ne me dit rien qui vaille. Reste sur tes gardes. Hé, petit, t'aurais pas des holocartes de Telt par hasard? C'est quoi un Telt? Eh bien, c'est juste l'arme la plus puissante de la galaxie, champion. Ça veut dire t'éclater la tronche.
Tu vois, les types de chez Gadgetron, ils savaient que les plans étaient bien trop dangereux pour être tous stockés au même endroit. Alors ils les ont divisés et ils les ont imprimés sur une série d'holocartes. Mes associés et moi, on aimerait beaucoup récupérer toutes ces holocartes. Comme ça, on aurait les plans complets. Laissez-moi deviner, si on vous apporte les holocartes, vous nous fabriquerez l'arme. Tu as tout compris, mon très cher ami. Tiens, prendons ce crocheteur. Ça facilitera certainement la récupération de la dite marchandise. Bah, ça n'a pas été bien difficile. Il vous a donné le crocheteur comme ça. C'est sympa. Alors du coup, on peut ouvrir ici. Ah ouais, comme par hasard, il y avait une partie du plan. Non, bah, tu me prends pour des cons, quoi. Ouais. Sélectionné pour port détecté, alimenté. Alimente le dernier port avec le dernier laser. Mais comment ça peut être difficile, ça? Ah d'accord. Hey, hey, on a trouvé une. Ah bah ça, quel hasard. Attends, on va appuyer là. Les holocartes sont partout. Ah attends, du coup on va lui en donner une, hein, comme ça il est content. Genre le mec il cherche ça depuis des années, il y avait une partie du plan mais genre à 2 mètres de lui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs cachés pas ici? On dirait pas. Fais bien attention à tout. Allez, on va lui donner sa carte. Désolé petit, mais je pourrais pas te fabriquer l'arme tant que tu m'auras pas amené toutes les holocartes Telt. D'accord, donc apparemment lui il sert qu'à ça. Les autres holocartes il s'en fout un petit peu. Je récupère ça dans ton vaisseau hein. Je suis un bâtard, moi, jusqu'au bout. Tu m'aides, je te vole. C'est comme ça. Allez, on va retourner au vaisseau. Ah, du coup, maintenant, on pourra accéder au mec automatiquement. Le taxi nous attendra, je pense. Vous avez vu qu'il y a un deuxième emplacement de taxi, c'est-à-dire qu'il y a encore une zone qu'on n'a pas explorée sur cette carte. Voilà, il est là, le taxi. Bah si, c'est le taxi pour l'overboard. Ah bah voilà, il se ramène. Bon, ça, on le fera une autre fois. Et je pense qu'on va se laisser ici pour cet épisode. J'espère en tout cas encore une fois que vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur celui-ci. Et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde. Tchuss. Et à la prochaine.